C'est Dalida qui va provoquer la première rupture professionnelle de Mike Brandt. Au début des années 1970, Dalida est une star internationale. Depuis 15 ans, elle enchaîne les tubes et a réussi le tour de force de ne pas se faire ensevelir par la vague des yéyés. Entre la diva égyptienne et le jeune prodige israélien, le coup de foudre est immédiat et amical. Et il y a un lien qui s'est créé avec Dalida, incroyable. On ne sait pas, peut-être parce qu'ils étaient deux enfants de la Méditerranée. Plus tard aussi, on peut comprendre aussi que vu le destin qu'ils ont eu, on arrive à dire que peut-être ces gens-là se rejoignent, se recherchent, ils ont besoin un de l'autre quelque part. Dalida avait une grande affection pour lui, elle était un peu comme son frère plus jeune, et lui, il a eu une grande fascination pour Dalida, il faut dire la vérité. Alors, quand elle lui propose de faire sa première partie à l'Olympia, prévue à la fin de l'année 71, comment refuser ? Il m'appelle un dimanche matin, il me dit « Jean, je fais une télévision cet après-midi et avec Dalida parce que je vais faire l'Olympia. » Oh, tu fais l'Olympia ? Ah non, tu fais pas l'Olympia. D'abord, c'est pas marqué dans l'agenda, c'est pas marqué dans mon book. Non, je sais, on n'en a pas parlé, mais voilà. Il savait que je n'accepterais pas. En tant que directeur artistique de carrière, je ne voulais pas de ça. Je préférerais un jour qu'il fasse l'Olympia en vedette, mais quand il serait prêt. Je pense que c'est difficile de refuser. D'une part, parce que Mike et Dalida s'entendaient extrêmement bien, et puis surtout, c'était un prestige, voilà, faire l'Olympia, je vais faire l'Olympia. Mike avait cette soif-là, comme tout artiste à l'époque, de se produire à l'Olympia. Et ben, j'ai dit, écoute, si tu fais la télévision cet après-midi, tu n'as plus de directeur artistique et tu n'as plus de producteur. Enfin, moi, je m'en vais. Vous m'aviez aussi parlé d'un problème qui se posait pour voir l'Olympia, c'est qu'on ne trouve maintenant plus de jeunes chanteurs qui aient fait, qui aient quand même du succès en disque et qui acceptent de passer en première partie parce qu'ils veulent tous être vedettes. Oui, c'est vrai. Ils ont un peu la tête qui gonfle très vite. Et vous avez quand même trouvé un jeune qui a beaucoup de succès en disque, qui en a vendu énormément et à qui vous avez demandé de venir aujourd'hui. C'est Mike Brandt. C'est Mike Brandt qui a eu l'intelligence d'ailleurs de passer dans le spectacle de l'Olympia que je ferai le 22 novembre en vedette anglaise avec tout le succès qu'il a. Et ça, c'est une preuve d'intelligence. C'est de la sagesse. Oui. Très bien. Ben, on vous écoute chanter. En écoutant Dalida annoncer sa présence à l'Olympia, Mike Brandt a l'air perdu, lointain. Est-ce parce qu'il sait qu'à cet instant précis, il a déjà perdu son producteur ? L'homme qui avait façonné son succès, Jean Renard était devenu comme un père pour Mike Brandt, lui qui avait perdu le sien quelques années auparavant. C'est lui qui lui avait ouvert les portes du succès en France, qui lui avait tout appris. À corps perdu, je t'ai demandé. Mais le spectacle doit continuer. Mike Brandt chante son nouveau single, À corps perdu, la dernière chanson que Jean Renard lui écrira. Le soir, il m'appelle, il me dit « Jean, tu m'as vu à la télé ?»« Tu as taffé la télé ?»« Salut, j'ai raccroché. » Je suis allé voir Gérard Tournier le lendemain, et je lui ai dit « Ben voilà, Gérard, on avait un petit contrat, je crois. Je sais même pas où il est. Tu le déchires. » Et on avait 50% des barres. J'ai dit « De la propriétaire à 100% d'un chanteur célèbre. » »« C'est bien. » Voilà comment j'ai quitté Mike Brandt. C'est donc acté. Mike Brandt n'a plus de producteur, mais il a un Olympia en vue. Il va partager la scène avec la diva égyptienne qui a 15 ans de métier derrière elle
là où il en a à peine deux. Il faut le faire un peu plus ensemble. Voilà les mots, les gestes qui font nos nuits, nos jours, les souvenirs. En plus, Dalida a demandé à Mike Brandt de ne pas se contenter de 5 chansons, mais d'occuper la scène pendant 40 minutes. C'est long, sans doute trop long pour le répertoire encore assez mince du chanteur. Alors il veut enrichir son show avec des imitations. Mais le mélange des genres, ça n'a jamais été très apprécié en France. Max s'est comporté un peu à l'Olympia en chanteur d'orchestre. Et c'est pas ce qu'on lui demandait. C'est pas nécessairement, le public n'était pas là pour avoir une imitation de Jerry Lewis. Peut-être que le soir de la première, il en a un peu abusé. Et qu'à la longue, ça pouvait devenir un peu fatigant. Et surtout, le manque de métier pour tenir une scène comme l'Olympia. Parce que comme on peut chanter avec une belle voix, mais quand on occupe le music hall, il faut aussi savoir être patron de la scène. Au moment où Dalida s'apprête à faire son entrée sur scène, Mike Brandt sait que sa prestation en première partie n'a pas soulevé un enthousiasme débordant. Dalida, elle, va faire un triomphe ce soir-là. C'était pratiquement catastrophique, quoi, son passage à l'Olympia. Ça a été... il a chanté ses tubes, mais il a fait des gaudrioles, il a fait des choses qu'il ne devait pas faire. Les journalistes s'en sont emparés. Dans François du 25 novembre 1971, on peut lire « Paris attendait Dalida depuis 4 ans. Ce sont les dernières heures de l'attente qui ont été les plus pénibles. Qui a imaginé une première partie de programme aussi calamiteuse? Un véritable chemin de croix. Que vient faire Mike Brandt sur une scène? L'aurore n'est pas plus tendre. L'autre soir à l'Olympia, nous sommes tous passés de l'enfer au paradis. Heureusement, seuls les bons souvenirs demeurent. Oublions donc les Gérola et autres Mike Brandt qui peuplent de leur insuffisance deux très longues heures de hors-d'œuvre avariés. Il n'a pas fait l'unanimité, donc ils ont été assez sévères et sèches. En quelque sorte, ça donnait raison à Jean Reynard, qui l'avait dit que c'était un peu trop tôt de faire l'Olympia. Voilà. Le jeune homme pressé est passé à côté de son Olympia. Peut-être aurait-il dû écouter Jean Reynard. La blessure est profonde. Elle aura une conséquence. Mike Brandt ne se produira plus jamais sur scène à Paris.